Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mpass. Et je suis JB. Nous sommes les présentateurs du Data Comedy Show. Je le rappelle, des agents impériaux et des chasseurs de plaies. Et sur Uta, il y a 3 datacrons. Voilà. Le premier va nous donner de la visée, plus 2 exactement. Suivez-nous, je vous montre avec la map. Hop, bloqué. Voilà. Ce sera sur une de ces 2 collines. Nous allons voir précisément laquelle. En un coup, mais ils continuent. Bon. Bah, si on les tue avant qu'ils nous attaquent. Plus d'énergie. Bon, bah tant pis. Nous y voilà. Vous voyez cette poutre, plutôt cette espèce de gros tuyau à moitié détruit. Il faut grimper dessus. Alors, il y a 2 façons d'atteindre ce datacron. Soit vous grimpez dessus comme ça, je vais vous montrer les 2 justement. Soit vous grimpez dessus comme ça et vous faites gaffe de pas tomber. Vous mettez bien au bord et vous tombez comme ça. Continuez, vous longez la muraille et vous atteignez le datacron. De couleur bleue, je le précise. Je pense que vous le voyez. Ou alors, comme je viens de le dire, JB, montre-nous. Alors regardez, vous en faites. Foncez tout droit dans la muraille et vous essayez de monter. Voilà, vous atteignez le haut de la colline et vous redescendez un peu par là. Voilà. Hop là. Et voilà. C'était donc le premier datacron. Nous allons vous montrer le suivant. Il se situe dans l'usine, dans une des usines de Fatra. Je précise à peu près ici. Voilà, donc nous sommes au camp des Rebuts de l'Est et nous allons vous présenter le prochain datacron. Alors, c'est un fragment matriciel bleu qui se situe dans une zone héroïque. Dans une zone héroïque, voilà. Alors, il y a une quête que vous pourrez faire en même temps. Ça peut toujours être utile pour apporter de l'XP. Et voilà. Donc, alors, normalement, il faut traverser la rivière. Et avancer tout droit en partant du camp. Ah voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une quête qui vous est proposée. Qui vous donne une bonne raison d'aller là-dedans. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout que c'est une zone héroïque. Alors c'est une héroïque plus 2, mais moi j'ai réussi à la faire tout seul. Si vous êtes assez bas level, quand même, essayez de pas vous y aventurer seul. Il y a des boss et il y a même un champion. Donc bon...
Voilà, c'est un conseil. Moi, je l'ai fait level 8, il me semble. Donc, vous voyez, là, il y a un champion. Juste à droite, vous trouverez le Dada. Faut bien sûr tuer le champion, parce qu'il ne vous laissera pas passer. Ah, ou alors, pour courir... ouais, mais vous mourrez quand même. Mais oui, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le prendre, quoi. Et vous, le attaquant est ici. Alors, bon. Et voilà. Regardez sur la carte. Je me situe ici. Faites attention, car là où je pointe, il y a une grille. Vous ne pourrez jamais passer par là. Sauf avec un bug graphique, mais je doute qu'il y en ait. Vous devrez être obligé de faire le tour comme ça. Voilà. Allez, direction le troisième attaquant. Et le dernier. Et oui. Et n'oubliez pas le coffre pour ce d'attaquant. Nous voici au chantier de rouille. Tac, ici. Ce d'attaquant se trouve sur cette île-là, plus précisément ici. Nous allons vous y emmener. Allez, on y va. Bon, moi, je dégage un peu le... Montre-nous du talent de agent impérial. Je vais le prononcer ma part. Oh bah oui, je dis, j'ai que une compétence. Ouais. Et en plus, c'est pas... Moi aussi je peux te montrer mes tactiques. Non, ils sont à moi. Oh, on l'a tué en même temps là celui-là. Et nous y voilà. Passage du data. J'ai fait ça plus avec les... passage, vous me direz bien. Oh, on peut passer par la mer, le datacron est là. Vous voyez, il y a de la lumière. Ce datacron, si j'étais ici, il vous donnera de la présence, plus 2. Voilà. Mais non, vous ne pouvez pas passer par la mer, je vous le montre. Voilà. Donc, ah, la mer, dis donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Donc, c'est pas grave. La pente est trop grande. Parce que là, vous ne pourrez jamais passer déjà. C'est impossible. Et oui. Après, de l'autre côté, oui, vous dites bien, on peut passer de l'autre côté. Et non, non plus. Vous pourrez pas passer. Je fais le tour du truc. Donc, voilà. Déjà, ça c'est dit, vous ne pouvez pas passer. Donc, voilà. Il faut passer par ce grand tuyau. Le datacron, vous le repérez toujours, il est là. Prenez le petit tuyau, si vous prenez sur le gros tuyau, vous allez tomber, forcément. Puis vous pouvez essayer. Regardez, là il y a deux passages. Vous pouvez sauter ici, là. Ou alors, vous pouvez faire comme j'y vais. Essayez, ça y est. Et vous passez comme ça. Ou comme ça. Après, vous choisissez la technique que vous voulez, il n'y aura pas une plus dure. Cet attaquant est un peu dur à avoir à cause de... parce qu'on peut tomber, mais par rapport aux attaquants que vous montrez plus tard, par exemple sur Hot, il y a de la marge. Donc, comme je vous l'ai dit, cet attaquant donne de la présence. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, le Data Comedy Show. Nous revenons la semaine prochaine pour vous donner encore plus de datacons. La semaine prochaine, nous irons sur Corriban. C'est un petit aperçu. En attendant, toutes les deux semaines sortira une vidéo bonus. Et vous, surtout et n'importe quoi. Vous pourrez me donner des idées sur le forum que je vais mettre dans la description de la vidéo. Et nous, en attendant, on se jette à l'eau. Allez, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé. JB nous fait une démonstration plutôt bizarre. Bon, au revoir et que la force soit avec vous.
Bonjour à tous. Et à toutes. Je suis Empath. Et je suis JB. Nous sommes de nouveau là pour le deuxième épisode du Data Comedy Show. Chercher les trois datagrammes. JB, mène-nous au premier. Ok, allez, on y va. Le premier va nous donner de l'endurance, plus 2. Alors, il est assez simple à trouver en fait, surtout pour ceux qui viennent d'autres planètes. Parce qu'il est juste à côté de la navette. Corriban est la planète des Inquisiteurs Sith et des Guerriers Sith, je le rappelle. Et si vous m'avez bien regardé, vous remarquerez que j'ai changé de blaster. D'ailleurs, c'est l'un des datacrons les plus simples à trouver. Même de tout le jeu. Ouais. Ah, regardez. Donc, par là, vous avez la navette. Et par là, il y a le datacron. Et le voici. Nous voici donc pour le deuxième datacron de Corriban. JB. Alors, nous sommes au laboratoire du docteur Renning dans les contrées sauvages. Alors, pour trouver Zadakron, il faut se rendre vers les tombeaux Sith. Ce Zadakron va nous donner la volonté, plus 2. Tiens, tu as enlevé ton casque. Oui, c'est plus joli ça. C'est vrai. Et si j'enlevais le mien, moi aussi? Ouais. Il est tellement beau, mon personnage. Eh bah dis donc, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Ah bah d'accord, tu l'as dégommé avant que je le fasse. Regardez, ensuite vous tournez à droite. Vous prenez ce petit chemin. Et si alors, vous faites bien attention en speeder, quoique ça se voit très très facilement, vous pourrez le repérer. Alors, d'ici on voit le halo. Ça fait un méga rayon violet. Et voici le datacron. Nous revoilà donc à l'académie de Corriban, toujours sans casque, attention, avec mon fidèle JB, pour un datacron qui nous donnera un fragment de cube matriciel rouge. Attention, JB, dis-nous où il est. Alors, ce datacron se trouve dans le tombeau de Tulak Horn. Alors, suivez-moi encore une fois. Alors, il est pas très loin de l'académie, mais faut quand même battre des... Pas des très hauts levels, mais quand on débute sur Corriban, c'est quand même des assez hauts levels. Là, vous aurez une quête héroïque. Bon, je sais pas parce que je suis niveau. Oui, il y a une quête héroïque, mais on n'est pas obligé de la prendre pour. Ouais, c'est pas comme sur Ita là cette fois. Il est pas dans une zone héroïque. Il est à côté, mais il est pas dans une zone. Ouais. Donc alors, il faut donc rentrer dans le tombeau et chercher une sortie. Non, ce n'est pas par là. Voilà, il est par là. Ah voilà. Donc là, vous ressortez du tombeau. Vous êtes toujours dans le tombeau, mais vous êtes dans un atrium. Vous allez vous tirer le décrit.
Il laisse même pas. Ah bah chacun son tour hein. C'est vrai. Et voilà, c'est déjà la fin du deuxième épisode du Data Comedy Show. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui se passera sur Drummondcast. J'élaborerai les cubes matriciels dans ma vidéo bonus prochaine. Je ne vous dis pas encore quand est-ce que ça va sortir. Attendant, je vous dis, si vous avez bien aimé ma vidéo, vous abonnez. Si vous n'avez pas aimé, vous abonnez pas. Voilà, c'est comme vous voulez. Attendant, moi, je vous dis salut. Allez, salut. Bonjour à tous. Salut à toutes. Nous sommes de nouveau là pour le troisième épisode du Data Comedy Show en compagnie de Alex le Pro. Sur Drummondcast en compagnie d'Alex le Pro, un des membres de notre guilde. Mais vous ne regardez pas cette vidéo pour rien, vous la regardez pour les datacrons. Alors go, JB, où est le premier datacron? Donc le premier datacron se trouve au spatioport en lui-même, dans un hangar que nous ne sommes pas censés explorer. B61, je le dis comme ça. Ce datacron va nous donner de la vigueur. Plus 2. Alors, il est pas très dur d'accès, mais bon. Même savoir s'y prendre un petit peu. Alors voilà. Donc, alors, c'est par là. Attention, le datacron, on le voit d'ici. Il est ici, vous voyez le rayon rouge. Vous pourrez pas y accéder par les caisses, il faudra carrément aller tout en haut, monter, comme ceci, attention. Bon, je sais pas, bah t'es devant moi. Sauter, après, enfin là déjà vous allez ici, derrière ces caisses, et vous remarquez qu'il y a deux espèces de tuyaux, vous sautez sur dessus, je vous conseille de prendre celui-là, comme ça vous aurez pas à vous farcir les murs, donc les petits poteaux là. Voilà, attention, vas-y, avance. Vous y allez doucement. Ça tombe bien parce que je l'ai jamais pris en fait. Enfin, je crois pas, non. Et nous y voici, comme je leur dis, ce datacron va nous donner de la vigueur. Allez. Et Alex le Pro, tu devrais le prendre. Nous voici donc pour le deuxième datacron. Et il est dans la jungle profonde. Il va nous donner de la présence, plus 2. JB, dis-nous où il est. Regardez. Vous partez tout droit du spatioport, puis vous tournez sur le sentier de gauche. Alors vous suivez le sentier tout droit. Normalement les monstres restent à l'écart. Enfin normalement. Hein. Alors, ce datacron ne présente aucune difficulté particulière. Comme vous avez pu le voir, le serveur va fermer dans 3 minutes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, c'est bon, on va l'avoir. Mmh.
Il y a quand même quelques monstres sur le chemin, mais... Et si vous remarquez bien, ce Datacon fait partie de la cinématique d'intro du Data Comedy Show. Ouais. Voilà, donc vous continuez, même si vous n'êtes plus sur le sentier, passez sous ces rochers. Vous continuez. Il suffit d'aller en ligne droite, c'est assez long, mais vous finissez quand même par l'avoir. Et voilà, on voit sa lumière d'ici. Voilà. On traverse le petit... Oui. Nous voici pour le Datacron. Je le rappelle, ce Datacron nous donne de la présence. Or donc, nous voici dans la nouvelle Cast City. On va aller chercher le Datacron qui nous donnera plus d'astuces. Allez, j'y vais. Dis-nous où il est. Alors, pour ce Datacron, il faut se rendre vers la zone héroïque de la quête Vieux Amis. Je vais vous montrer d'abord où il est et après comment y accéder. Donc, alors il faut travailler le passage avec les droïdes fous. Ils sont d'ailleurs une bonne ressource en laminoïdes et autres composants pour récupération d'armure cybernétique ou fabrication d'armes. Désolé, mais un problème survenu lors de l'enregistrement de la vidéo, donc JB ne nous suivra pas pour cette séquence. Mais je vais quand même vous montrer où se trouve le Datacron. Allez, voilà. Alors, le Datacron, il se trouve ici. Vous voyez, on voit le halo, comme ça. Tac. Mais vous pourrez pas y accéder par là. Ici, il y a une héroïque, donc vous êtes pas obligé de la faire pour y accéder. C'est pas comme, c'est pareil, c'est pas comme sur Vita. En fait, c'est très très simple. Il faut choper ces caisses là. Attendez. Voilà. Il faut aller sur ces caisses. Tac. Ah, c'est tombé. Tac. Monter sur le rocher. Sur la muraille et vous suivez le chemin. Là c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste après, oui, pour sauter sur les rochers ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Et voilà. Alors là vous allez d'abord sauter sur ce rocher. Ne pensez pas à passer par là, vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Moi j'ai essayé énormément, j'y suis pas arrivé, donc c'est le seul moyen. Vous sautez sur ce rocher, sans essayer de vous faire mal. Et vous sautez sur celui-là. Et nous voilà pour le troisième Datacron. Le prochain sera au mur. Et nous voici donc au mur pour ce quatrième Datacron, qui nous donnera un fragment matriciel jaune. Allez, j'y vais, où est ce Datacron? Donc... Il est assez loin, on va devoir marcher pas mal. Et nous, on va devoir passer par une zone héroïque. Mais pareil, qui n'est pas obligé d'être faite. Vous pouvez éviter facilement les mobs, normalement. Ouais, normalement on peut les éviter. Donc là, vous tournez à gauche. Et vous suivez à peu près le chemin. Là, on s'enfonce dans la zone héroïque, le marais malveillant. Hop. Essayez d'éviter les mobs. Ah, voilà. Ah, oh, mince. Bon, bah tant pis, on continue. Donc, voilà. Alors. Normalement, vous voyez le halo du Datacron à peu près ici, mais vous devrez pas passer par là, vous devrez faire le tour des montagnes. Il y a un petit chemin normalement assez simple à trouver. Voilà, donc ensuite vous traversez la rivière.
Il m'a pas vu le Gundark. Donc vous suivez ce chemin entre les rochers. Un fragment matriciel jaune. Allez. Évitez de passer par l'île en face. Il y a deux champions. Ils sont assez durs à battre. Ouais, vaut mieux retourner en fait sur le côté. C'est un peu mieux. Après, vous pouvez toujours tenter. Hein. Mais bon. Enfin, si vous êtes plusieurs, oui, mais seul, c'est fortement déconseillé. Donc maintenant, on va au domaine du seigneur Gratan. Il nous attend le dernier Datacron. Donc, voici au pont qui mène au domaine du seigneur Gratan. Pour ce dernier Datacron qui nous donnera de l'endurance, plus 2. Allez, je vais. Dis-nous où il est. Donc, alors, pour ça, il faut... Pour obtenir ce Datacron, il faut passer par la résidence du seigneur Gratan. Il faut chercher une espèce de grosse tourelle lourde sur le côté, sur un des bâtiments. Elle est par là, d'après ma mémoire. Voilà, donc c'est la tourelle lourde qui est là. J'y vais. Quelques problèmes de RAM, moi. Mais voilà. Donc ensuite, vous prenez ce sentier. Sentier pour trouver les Datacrons. Ouais, mais ils sont très très bien cachés. Donc vous suivez ce passage entre les rochers, comme la dernière fois d'ailleurs, et vous trouvez ce Datacron. Alors vous pouvez le voir aussi depuis le camp de Revanite, mais vous ne pourrez pas y accéder. Voilà. Même en sautant. Le tour par le seigneur Gratan. Bah d'accord, il se barre. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 3 du Data Comedy Show.